Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'avait été posée, euh, qui était tout simplement la suivante comment rajouter un logo, une icône ou une image sur une texture que l'on a déjà réalisée Donc en quelque sorte, comment réaliser un matériau avec différents layers, différents calques, différentes couches pour obtenir par exemple le résultat que vous avez sous les yeux, à savoir un matériau global de tissu. Donc vous voyez qu'il y a un petit grain comme ça qui est assez réaliste et assez sympa. Et par-dessus, on va venir plaquer un logo qui va en quelque sorte coloriser notre tissu. Donc le logo, je peux vous montrer l'image. Hein. Donc il y en a deux, une en JPEG et une en PNG. C'est simplement du noir et blanc. Et on voit que malgré tout, on a bien le tissu qui s'applique dessus. Donc pourquoi JPEG et PNG Parce que les deux se comportent un petit peu différemment lorsqu'on les utilise dans le Node Editor. On n'a pas les mêmes valeurs numériques qui sont renvoyées par l'image et interprétées par Blender. Donc je vais vous expliquer la différence entre les deux. Une fois qu'on aura fait ça, on verra comment faire un matériau constitué entre guillemets de deux shaders, c'est-à-dire d'abord un shader de tissu et ensuite quelque chose d'entièrement lisse au niveau du logo, par opposition au premier où on avait vraiment le matériau qui s'appliquait partout. Et ensuite, on verra comment manipuler les couleurs en temps réel, etc. etc. Donc je vais aller sur un nouvel objet, c'est tout simplement une duplication. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un plan avec un close simulation pour obtenir un tissu un petit peu plus réaliste. Mais vous, vous pouvez travailler sur un plan, ça ne change pas grand-chose sur le principe. C'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc dans ce premier temps, on va créer un nouveau matériau. Donc ça c'est relativement simple, je sélectionne mon objet, je fais new, tout ça normalement vous le connaissez déjà. Ensuite en haut à droite, là je me suis mis en shader editor pour pouvoir manipuler mon matériau. Et maintenant je vais tout simplement faire du drag and drop. Donc ces textures je les ai trouvées sur internet comme d'habitude je mettrai le lien vers le téléchargement direct dans la description, évidemment. Donc je relie la base color à la color, la roughness à la roughness et le normal. Je rappelle qu'il faut faire un petit vecteur suivi d'un normal map et relier la color à la color. Bon, il faut qu'ils soient un petit peu plus écartés, sinon... Il ne peut pas le prendre en compte. et est normal, un normal. Et là, on est pas mal. Alors juste vérifier un petit truc. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, on est bon. On a notre matériau qui est relativement correct. Je vous rappelle qu'il faut bien évidemment vérifier que sur la base color on soit bien en sRGB. Et sur les autres signaux avec une entrée numérique, donc gris par exemple, comme ici. Ou même là pour le normal mapping, il nous faut du non-color data. Donc normalement Blender l'interprète automatiquement, mais on ne sait jamais. Alors là, on a un petit souci. Le souci est le suivant. Donc vous voyez qu'on n'a pas la même densité de tissu en haut et en bas. Pourtant, j'ai utilisé les mêmes textures. Alors comment ça se fait Ça vient tout simplement des UV qui par défaut sont en 1 pour 1 hein, sur notre objet. Et donc l'image qui est en résolution 4K ne possède pas assez de densité de tissu pour obtenir quelque chose d'aussi fin par rapport à ce qu'on a en haut. Donc il y a deux méthodes pour corriger ce problème. Ce problème pardon. Je vais vous montrer la première, euh, qu'on va réutiliser par la suite pour le logo, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de manière facile de le réaliser, mais c'est à éviter dans la plupart des temps pourquoi je vais vous expliquer. Alors d'abord, je vais prendre un petit peu d'avance, et une fois que j'ai sélectionné mon tissu, on va dire entre guillemets, donc l'endroit où je vais mettre mon matériau, je vais aller ici, dans le Object Data Properties, on a quelque chose qui s'appelle UV Maps. Donc souvent, on a utilisé les Vertex groups notamment pour toutes les vidéos où on a traité les particules, nous aujourd'hui on va s'intéresser au UV Map. Par défaut Blender va en créer un automatiquement qui s'appelle UV Map tout simplement. Donc je vais double-cliquer et je vais l'appeler tissu. Et j'appuie sur plus. Et je vais double-cliquer cette fois-ci. Et je vais l'appeler logo. Alors pour ceux qui ont déjà des notions en UV, vous comprenez assez rapidement pourquoi on a fait ça. On va avoir tout simplement un dépliage UV pour le tissu, donc pour gérer ma texture du tissu, et une autre pour gérer mon dépliage du logo. Voilà, on ne peut pas tout faire sur une seule UV map parce qu'ils ne vont pas avoir les même coordonnée. Ou alors on aurait dû préparer une image qui possède à la fois le tissu et le logo par-dessus, mais ça nous empêche de faire après des manipulations de la sorte. Ok, donc là on est bon. Alors la première méthode serait d'aller dans le UV Editor, sélectionner bien le tissu, faire tabulation. Donc là, moi, il est déjà unwrappé parce que j'étais parti d'un plan de base et le Blender l'a fait tout seul, mais sinon vous pouvez faire U et unwrap. Et là, la technique ce serait de faire S. Et de faire sortir en fait de notre image la sélection. Et de ce fait, il va avoir des duplications de chaque côté. Et du coup, Blender, vous voyez que là, si j'augmente, mais il me rajoute bien de la densité en faisant en fait des duplications de texture. Ça, c'est à éviter la plupart du temps. Pourquoi Parce qu'après, quand on va exporter dans un autre logiciel, euh, il va y avoir ce qu'on appelle de l'overlapping, bien souvent, c'est-à-dire qu'on va superposer différentes parties de. Euh, du V sur l'objet et des logiciels tels que l'Unreal Engine, ça, ils n'aiment pas du tout. Et puis, ce n'est pas très propre de se dire qu'on sort des coordonnées de la texture. Donc, ce que je vous conseille, vous allez voir que souvent, c'est quand même pratique. C'est le plus rapide. Si vous restez dans Blender, à la limite, il n'y a pas trop de soucis. Il gère assez bien ceci. Sinon, vous pouvez aller dans le Shaders Editor. Et là, on va utiliser des nodes, tout simplement. Donc, l'avantage, c'est que... Alors j'allais dire non destructif, mais l'autre n'est pas non plus destructif parce qu'on peut re-réduire après coup la taille de euh, notre UV. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai vraiment des valeurs numériques qui me permettent de faire quelque chose de propre. Donc je peux faire Shift A et je vais rajouter une node qui s'appelle Mapping. Je vais la mettre ici. Et là, je vais relier le vecteur à mes trois vecteurs de texture. Et vous allez voir que là, badaboum, normalement, voilà, on n'a plus de texture qui s'affiche. Alors c'est normal, vous n'avez rien cassé. C'est tout simplement parce que là, Blender, du coup... Il veut une entrée, il veut un UV. Il ne sait pas comment euh, afficher mes textures vu que je ne lui ai pas indiqué. Par défaut, il prend de l'UV, mais là, je l'ai relié à un mapping. Donc, il n'y a plus d'UV qui est présent. Donc, je dois faire Shift A, je vais cliquer sur Search et je vais taper sur UV Map. Et maintenant, je peux relier mon UV au vecteur. Et là, normalement, tout devrait fonctionner. Alors, on a de la chance. Pourquoi Parce qu'on a créé deux UV Maps. Par défaut, Blender, il prend l'index numéro 1, à savoir le tissu. Nous ça nous arrange, c'est celui qu'on voulait utiliser. Mais pour éviter toutes sortes de problèmes par la suite, ce que je vous conseille, c'est de cliquer ici et de sélectionner tissu. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté avec le logiciel. Vous êtes sûr qu'il va prendre le bon UV mapping. Et maintenant, je peux jouer avec la scale. Voilà. Donc c'est un petit peu le même principe quand j'étire à la main, sauf que là, c'est beaucoup plus parce que je peux mettre du 2 et du 2 par exemple et je sais que j'ai un tailing donc une duplication de 2 par 2 donc 4 images on le voit d'ailleurs légèrement ici qu'on a 4 images qui sont répétées en quelque sorte bon c'est pas dramatique là sur, sur le coup je ferai une vidéo pour vous expliquer comment masquer un petit peu avec des astuces ce, cet effet de, de duplication ça reste quand même une image seamless parce que sinon croyez moi on verrait vraiment le quadrillage on trouve des fois sur internet des textures qui sont pas seamless et dès qu'on fait des duplications, c'est vraiment des coupures nettes. Donc, simless, c'est quoi euh, Ça veut dire simplement qu'un côté de l'image correspond à l'autre. Et du coup, il y a une continuité lorsqu'on les duplique. Voilà. Ok. Donc là, on est bon pour notre tissu. Maintenant, je vais pouvoir ajouter le logo. Alors, le logo, je vais d'abord commencer avec du PNG. Parce que le PNG a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle un canal alpha. Et donc, c'est un petit peu plus facile à comprendre la plupart du temps lorsqu'on débute. Alors, je vais aller ici prendre mon logo alpha. Je fais un drag and drop tout simplement. Maintenant, je vais faire Shift A et je vais rajouter une note qui s'appelle MixRGB. et je vais la mettre ici. Ça aura lieu automatiquement ce qu'il faut. Alors MixRGB, euh, l'avantage c'est quoi On va surtout utiliser ces trois notes là. Il y a le Factor, le Color One et le Color Two. Dites-vous qu'en sorte, euh, en quelque sorte pardon, le Factor va permettre de régler l'influence entre le Color One et le Color Two, entre les deux nœuds. Si je mets ma Color One à un noir complet par exemple. Vous allez voir que ça va griser mon blanc à droite. Pourquoi Hop là. Parce que tout simplement, Blender va faire le mélange entre color 1 et couleur 2. De quelle manière Mais il va faire moitié-moitié. Il va faire à 50%, 50%. Ok Donc si je mets mon facteur à 0, on va uniquement passer dans le nœud 1. Donc il va prendre uniquement ma texture de base. Ma couleur de base, pardon, donc du blanc. Et si je mets mon facteur à 1, on va passer uniquement dans mon nœud numéro 2, donc la couleur noire. Donc ça en fait c'est comme si on ne l'avait pas relié vu qu'il a 0. L'avantage c'est quoi L'avantage c'est que là je peux mettre une valeur numérique, ok, mais je peux également relier une texture. Et ça c'est pas mal. Parce que ça veut dire que ma texture, en fonction de sa valeur, qui va varier entre 0 à 1, parce qu'on va avoir une échelle de noir et blanc. Là c'est une valeur numérique. Et bien il va dire à Blender, soit tu passes dans le numéro 1, soit tu passes dans le numéro 2. Donc on a une image en noir et blanc, mais on peut avoir une image grise. Par exemple, si on a un dégradé de noir à blanc, et bien le gris du milieu... C'est comme si on avait un facteur de 0,5 à cet endroit-là de la texture. Donc c'est bien localement en fonction de notre texture. Et c'est ça qui est bien. Donc avec l'alpha, je vérifie que je sois bien en non-color et je vais prendre l'alpha et je le relie au facteur. Et là on a ceci qui se passe. Alors comment ça fonctionne Je vais essayer de vous expliquer. Si j'ouvre ici mon Image Editor et que j'ai. Mon image, donc ça c'est la JPEG, au format PNG. J'ai pris mon canal alpha. L'alpha c'est quoi dans l'imagerie numérique? C'est simplement l'opacité, la transparence. Ok? Donc là, j'ai un alpha, mon image est transparente. transparente. Donc j'ai un alpha qui est égal à 0. Ici, mon image est remplie, donc peu importe la couleur, elle aurait pu être rouge, peu importe ce façon, c'est de l'alpha, donc c'est toujours du une échelle de 0 à 100%. Là, on est à 0%, là, on est à 100%, on est à 1. Donc, c'est nickel. C'est nickel pourquoi Parce que quand je suis à 0, c'est-à-dire sur tout l'extérieur, ben, Blender, dans le facteur, va mettre 0, donc uniquement le color 1, donc du blanc. Et sinon, quand je suis à 1, d'alpha, donc à tout l'intérieur de mon logo, et ben, Blender va passer dans le second nœud, à 1, donc le noir. Et donc, là, facilement, vous pouvez voir que le noir qu'on a ici n'a aucune incidence sur cette couleur-là. Je peux facilement me mettre le logo en rouge, en vert, en bleu. En blanc comme je le souhaite, donc c'est vraiment très fluide. C'est ça l'avantage d'utiliser le factor c'est qu'il définit juste deux nœuds qui sont entièrement modulables en temps réel. Donc, ça c'est nickel. Donc, maintenant je retourne ici dans le properties. Maintenant, on va gérer les UV de ce logo. Alors, pour ce faire, je vais aller dans le UV Editor et je vais utiliser la technique que je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilisait le moins souvent, mais là. C'est beaucoup plus simple plutôt que gérer le mapping avec l'offset, la size du, de notre logo et tout, parce que c'est pas la même taille de texture par rapport à tout à l'heure. Si on voulait faire quelque chose de vraiment propre, j'aurais dû retravailler mon image, ma texture, pour qu'elle ait exactement la même taille que l'ancienne et du coup elle se serait positionnée beaucoup plus facilement. Automatiquement, même si j'avais pris le même nœud. Alors là, ça me permet de vous montrer l'autre solution. J'appuie sur tab. Je sélectionne, très important, mon UV map logo. Et maintenant avec la touche S, je vais pouvoir... Ah oui, alors là ça ne fonctionne pas, pourquoi Là peut-être que vous faites pareil comme moi, vous dites mais ça ne change pas mon logo. C'est tout à fait normal, parce qu'il faut retourner dans le shaders editor, et là il faut indiquer en fait que lui il doit prendre mon UV map logo. Donc je vais faire shift A, je vais taper UV, UV map, je vais le relier, et là très important, par défaut comme j'ai dit, il prend tissu, qui est l'index numéro 1 ici, donc moi là je mets bien le logo. Maintenant je peux retourner dans mon UV editor, et voilà, et là avec S cette fois-ci ça change. Donc je vais faire S, je vais faire une rotation comme Ceci, je fais encore du S pour rescale. Donc on voit que l'échelle est un peu biaisée. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Ok. Donc là vous voyez, vu que j'avais pas euh, la même taille d'image entre mon carré de base hein, qui était ma texture du tissu et euh, mon logo, j'ai un petit peu galéré. J'ai dû faire des rescales pas très propres, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour l'exemple. Là c'est pas le but du tuto. Maintenant, je peux retourner dans un shaders editor et comment enlever ces duplications là qui me gênent un petit peu. Mais ici, j'ai quelque chose qui s'appelle repeat. Je vais simplement cliquer sur clip et du coup, ça m'en met qu'une seule. Et donc là, on est bon. On a bien notre résultat qu'on avait attendu, à savoir du tissu partout et ici mon logo imprimé sur le tissu. En gros, il colorise mon tissu et tout ça éditable en temps réel avec ce nœud là. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais dupliquer ça. Je duplique, je le mets ici. Et est ce que je vais faire. Je veux avoir le tissu autour de mon objet et quelque chose d'entièrement lisse au milieu. Donc pour ce faire, on va utiliser une autre node qui ressemble vulgairement au mix RGB, mais qui s'appelle le mix shader. Pardon. Donc je vais taper mix shader. Ah, j'ai cru qu'il n'existait plus, là, quand même. Un euh, mix shader, je vais le mettre ici. Alors mix shader, c'est quoi Ça marche exactement pareil que le mix RGB. On a le facteur et les deux nœuds d'entrée, au lieu d'être des signaux de couleur RGB, j'ai tout de simplement des signaux de shader. Donc les shaders dans Blender c'est tout simplement ce qui est symbolisé par le vert. Donc le principal BSDF c'est par exemple un shader. Donc je peux supprimer ceci, je peux relier ma color à la base color, et je peux relier mon alpha comme tout à l'heure à mon facteur. Et là vous allez voir qu'il se passe quoi On a du noir absolu ici, alors que je n'ai rien touché. Pourquoi Mais Parce que là mon shader il est vide. Du coup Blender par défaut, quelque chose de vide, je le mets à 0, donc en noir complet. Je peux prendre CTRL-C avec le principal BSDF, CTRL V le Décaler et là, si je sélectionne mon BSDF et que je mets sur le shader, j'ai bien quelque chose qui me permet de gérer la couleur. Donc là, vous voyez, et j'ai pas en entrée de cette partie là, j'ai pas le normal mapping, j'ai pas la roughness ni rien, du coup, j'ai pas ce matériau qui s'applique. Alors, l'avantage d'utiliser ça, c'est quoi C'est que si je veux être un petit peu créatif, on va dire, je peux très bien utiliser un shader de type émission. Alors, est-ce que je suis un Eevee Ouais, nickel. Je peux le relier ici. Je peux mettre de l'émission verte, par exemple. Je peux activer le Bloom. Et si je mets une force à 50, on voit qu'on peut avoir un truc. Bon, pareil, on a rarement vu des chaussures qui s'éclairent comme ça, ou même une boîte à chaussures. Mais euh, si vous voulez faire une devanture avec euh, des néons ou autre, c'est faisable. Et je peux aussi mettre ici, euh, si je souhaite, la couleur. Donc, je peux faire un. Euh, mix rgb si je le souhaite le mettre là parce que je pense que ça passera mieux si je mets le fond en noir voilà donc vous voyez rapidement c'est très très modulable en temps réel et je peux mettre l'émission de la couleur que je veux je peux mettre du rose je peux mettre du rouge du, du vert donc ça marche nickel donc maintenant ce que je vais vous montrer bon je vais me mettre en blanc et une émission de 1 comme ça c'est comme si j'avais de la diffusion classique euh, je vais vous montrer quelque chose. Comment utiliser une image JPEG plutôt que PNG Alors, peut-être que ça vous paraît anodin, mais ça ne marche pas du tout pareil. Ça ne marche pas du tout pareil pour deux raisons. Donc là, les deux images ont les mêmes tailles. Ça m'arrange, je n'ai pas besoin de refaire les UV. Mais du coup, si je sélectionne l'UV, je le mets ici, et que je mets ma couleur cette fois-ci et non l'alpha, donc première différence, parce que je rappelle qu'une image JPEG ne possède pas de signaux alpha. Une image JPEG, c'est tout simplement. Des couleurs. Donc là, euh, je lui mets un nom de couleur parce que je veux une échelle de gris, je veux du noir et blanc. Mais il n'y a pas de signe alpha, il n'y a pas de transparence sur une image JPEG. Alors déjà, c'est inversé. Regardez, là, si je mets l'alpha sur le factor, j'ai mon tour qui est noir et mon intérieur est blanc. Pourquoi Petit rappel, parce que j'ai bien du 0 ici et du 1 là. Alors, une image JPEG, ben c'est l'inverse. L'image JPEG, elle va avoir non pas du 0 ici, mais du 1. Parce que c'est du blanc, et là, non pas du 1, mais du 0, parce que c'est du noir. Donc c'est tout l'inverse. Donc là, si je relis mon facteur ici, ma couleur ici, pardon, facteur, il faut que je fasse un Shift A, et que je mette une node de type invert, et que je mette là, pour inverser les couleurs, et pour avoir ça. Alors là, pourquoi il y a des duplications Parce qu'on a un repeat. Et vous allez vous dire, bah, c'est nickel, on le met en clip, ça a marché. Mais sauf que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi Parce que là, Blender, en fait, il va mettre du noir ici, ok, du blanc ici ok et là vu que tout ça dépasse mais lui c'est pas donc il remet du noir donc ça nous remet du zéro donc c'est pas top pour pallier à ce problème c'est très simple au lieu de mettre clip on va mettre extends et du coup lui automatiquement il va étendre les bords de mon image sans pour autant les dupliquer et du coup on obtient bien le résultat comme on souhaitait donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu que vous avez appris pas mal de choses et que j'ai répondu à la question qui m'avait été posée n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres vous pouvez partager vos travaux sur Twitter, sur Instagram, sur ce que vous souhaitez, même en description YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao